Ce n'est pas pour rien si l'on surnomme le moringa l'arbre de vie. Parmi tous ses bienfaits, le moringa a aussi le pouvoir de vous faire perdre du poids. En effet, certains de ses composés agissent dans notre organisme comme des brûleurs de graisse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le régime minceur moringa. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Comment maigrir sainement? C'est la question que de très nombreuses personnes se posent. Fini les régimes farfelus à base de privation, mauvais pour la santé. Il existe désormais des programmes minceurs prônant la consommation de produits naturels encore peu connus. Parmi eux, les feuilles de moringa issues de la plante moringa oleifera. Ces feuilles permettent de perdre le poids, comme l'ont prouvé diverses études récentes. Voici les 7 raisons de consommer du moringa pour perdre du poids. Le moringa limite les sensations de faim. Le moringa est tellement riche en nutriments importants pour notre organisme qu'il vient combler les manques que notre corps pourrait ressentir. Le moringa réduit la rétention d'eau. Il a été rapporté que les feuilles de moringa, de par leurs propriétés anti-inflammatoires, limitaient la rétention d'eau. Par ailleurs, l'effet diurétique du moringa consommé en infusion réduit le taux de rétention d'eau et atténue la sensation de ballonnement. Le moringa est riche en fibres. Un régime riche en fibres réduit l'absorption des graisses dans l'intestin et les brûle au lieu de les stocker. Le moringa contient de la vitamine B2 en grande quantité. Aussi appelée riboflavine, la vitamine B2 brûle les matières grasses pour les transformer en énergie. Les nutriments du moringa activent le catabolisme lipidique, glucidique et protéique de l'organisme, accélérant de fait l'élimination des graisses et des déchets non désirés. Un métabolisme lent est la principale cause de prise de poids via l'accumulation de graisses et d'acides gras saturés. Le moringa est très faible en calories. Comme toutes les plantes à feuilles vertes, le moringa contient peu de sucre et pas de matière grasse. Le moringa est le partenaire des sportifs. Une infusion à base de feuilles de moringa apporte au corps tout ce dont il a besoin pour une croissance musculaire saine. Les acides aminés aident le corps à régénérer les cellules abîmées par l'effort et à accélérer le processus de réparation. Il est toutefois important de noter que le moringa ne suffit pas pour maigrir. Si la perte de poids que le moringa occasionne est durable, il est cependant pas immédiat. La plante doit être incorporée durablement à une alimentation saine et à une activité régulière. Une étude a démontré qu'après 49 jours de traitement à l'extrait de feuilles de moringa, le bêta-cytostérol présent en grande quantité dans le moringa pourrait
aider à une perte significative de poids et en diminuant le taux de cholestérol qui pénètre dans l'organisme. D'autres études révèlent que les propriétés hypolipidémiantes, anti-inflammatoires et antioxydantes du moringa aident non seulement à perdre du poids, mais aussi à réduire le taux de taille. Comment utiliser le moringa pour maigrir? De plus en plus de nutritionnistes recommandent l'infusion de moringa comme boisson minceur. Voilà pourquoi j'ai composé une tisane authentique. Il s'agit de la tisane détox slimming 100% naturelle à base de plusieurs plantes, parmi lesquelles les feuilles de moringa, les feuilles de citronnelle, le gingembre jaune et bien d'autres plantes. Il est très important de noter que cette tisane n'est pas laxative, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas mal au ventre et ne donne pas la diarrhée. Le protocole que je propose est le suivant. Préparez 1,5 litre de tisane détox à boire tout au long de la journée. Ou bien, utilisez cet infuseur pour préparer votre infusion, peu importe où vous êtes. C'est vraiment pratique. Il suffit de mettre la tisane dans le tamis et rajouter de l'eau bouillante par-dessus et laisser infuser pendant 15 minutes. Elle n'est pas belle la vie. Par la suite, dans un mug, mettre une cuillère à café de poudre de moringa, puis une cuillère à café de miel. Rajouter de l'eau et boire 1 heure à 30 minutes avant votre repas. Boire le moringa de cette façon permettrait de couper la faim et cela vous amènera à manger beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Vous faites cette cure pendant au moins un mois, vous allez perdre au minimum 5 kilos, je vous assure. Testez, vous verrez un changement au bout d'une semaine d'utilisation. Les hommes, les femmes peuvent en prendre. Les feuilles de moringa vous apportent l'énergie que l'on a l'habitude d'aller chercher dans les thés et les cafés sans vous imposer les effets nocifs de la caféine. Fini les régimes minceurs qui mettent vos bactéries à plat. Vous pouvez trouver tous ces produits sur mon site internet terrancenature.com. Si tu as déjà utilisé cette tisane détox slimming, merci de laisser ton avis en commentaire. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. Je vous aime.